D'ailleurs, le titre en fait de l'intervention donne tout de suite le contenu de celle-ci, disparition d'une valeur immémoriale. Alors, avant de traiter de cette disparition et puis des causes, enfin des symptômes et des causes de cette disparition, je voudrais faire deux remarques préalables concernant la beauté, sans entrer dans la technique philosophique. D'abord, on pourrait observer ou faire observer que la beauté est une valeur peut-être moins universelle qu'on ne l'a cru. Ce qui peut nous faire dire cela, c'est la chose suivante. Le contresens que les Européens ont systématiquement fait sur les œuvres provenant des cultures non européennes, des cultures traditionnelles ou primitives, les contresens que les Européens faisaient sur leurs dessins, sur leurs peintures, sur leurs statuaires. Et on sait que l'Europe n'a reconnu que très tardivement l'art indien, l'art chinois, sans compter l'art africain, l'art océanien, qui sont venus encore plus tard. En gros, c'est apparu à partir du 19e siècle, pour l'art de l'Inde et de la Chine, du Japon, et puis il a fallu attendre le début du 20e siècle pour qu'on accepte enfin de reconnaître que les autres cultures, les autres civilisations avaient une forme d'art qui était au moins aussi importante et aussi noble que celle à laquelle les Européens étaient habitués. Alors pourquoi ce contresens ? Eh bien parce qu'on y cherchait ce qui ne s'y trouvait pas, et on y cherchait la beauté, en particulier la beauté telle qu'elle avait été pensée par les philosophes depuis l'Antiquité, et la beauté telle qu'elle avait été réalisée par l'art classique, en gros la période grecque de l'Antiquité, la période italienne de la Renaissance, et la période française du grand siècle de Louis XIV. Ce n'est pas d'ailleurs ce contresens. On pensait qu'en regardant une miniature persane que ces gens-là ne savaient pas dessiner parce qu'on n'y voyait pas la perspective. Et un tapis sur une miniature persane, au lieu d'être représenté comme un trapèze, c'est-à-dire la déformation qu'impose la loi de la perspective, eh bien le tapis il est dessiné rectangulaire comme s'il était vu de haut. Or, un Européen, quand il voyait ça, il se disait « ces gens-là, ils ne savent pas dessiner, ils dessinent comme des enfants » et par conséquent, c'était un art qui était, même pas reconnu comme tel quand il n'était pas purement et simplement méprisé. Ce n'était pas simplement le fait des ignorants ou des incultes, ce contresens. Même des gens avertis, des grands auteurs, des grands intellectuels ont eu du mal à reconnaître la grandeur d'un art non-européen. Je ne donne qu'un seul exemple. Paul Claudel, quand il va visiter Angkor, qui est aujourd'hui unanimement reconnue comme l'une des merveilles du monde, Paul Claudel voit dans les tours d'Angkor Wat une œuvre quasiment diabolique, c'est-à-dire quelque chose de laid, de monstrueux, quelque chose qui inquiète. Et quand on songe que Paul Claudel était si attentif justement à la culture chinoise, à la culture japonaise, donc ce n'est pas quelqu'un dont on puisse dire il était bardé de préjugés occidentalocentriques, et bien même lui, même Claudel avait du mal à reconnaître, enfin il ne pouvait pas reconnaître en fonction de ses propres normes et de ses propres valeurs, la grandeur de l'art khmer. Alors, cela dit, si le concept est occidental, alors cela ne doit pas nous arrêter, parce qu'après tout, tous les concepts que nous utilisons sont occidentaux. Le concept de réalité, le concept de vérité, le concept de liberté, le concept de justice, etc. Donc, n'allons pas arguer du fait que nos concepts sont occidentaux pour nier l'universalité de l'extension de ces concepts. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous disposons d'un concept occidental de beauté qui vient des Grecs et qui a été ensuite, comme j'y ai fait allusion, illustré et défendu par le classicisme, on ne doit pas se réfugier derrière cet argument pour nier le caractère universel de la beauté. Parce que, de fait, si le concept est occidental, la notion, alors il y a une nuance que nous faisons, nous philosophes, entre les deux termes,
le concept a quelque chose de plus rigoureux. Et évidemment, la rigueur du concept, c'est d'abord dans la science qu'on la trouve. Pensez au concept d'énergie en physique, par exemple. Genre que aujourd'hui, quand disons le grand public, quand il utilise le terme d'énergie, il n'utilise pas le concept physique d'énergie, mais une vague notion d'énergie, hein, donc l'énergie vitale, des choses comme ça. Donc si nous disons, si le concept est occidental, la notion, elle, elle est universelle. On ne peut pas imaginer une seule culture, une seule civilisation qui fut étrangère à cette valeur. Elle est implicitement présente partout. Alors s'il est vrai que dans les langues non européennes, on ne trouvera jamais un équivalent exact du mot « beauté » en français, ou du mot... du mot grec ou du mot anglais, etc., qui désigne la beauté, Schönheit en allemand, etc., beauty, il n'en reste pas moins vrai qu'on trouvera dans toutes les langues des termes qui s'y rapprochent, qui sont équivalents, pour désigner une apparence agréable, une perfection dans son genre, une certaine harmonie, et la dualité du beau et du laid est aussi universelle que la dualité du bien et du mal, du vrai et du faux, du juste et de l'injuste. Par ailleurs, même lorsque la beauté n'est pas explicitement visée, et après tout c'est le cas de la majeure partie de l'art sacré, l'art sacré ne visait pas prioritairement la beauté. L'art sacré pouvait, visait la transcendance, qui pouvait être d'ailleurs effrayante. Les statues aztèques, les fétiches africains, d'ailleurs c'est l'une des raisons de ce contresens des Européens que je faisais, c'est que les Africains ne cherchaient pas à représenter quelque chose de beau, mais à représenter quelque chose de puissant. Il en va de même avec les statues de l'île de Pâques ou les statues Khmer, etc. On pourrait donner de multiples exemples de ces statues qui manifestement ne visent pas à être belles au sens où les Apollons et les Vénus grecques sont beaux. Même lorsque la beauté n'est pas expressément visée, on peut créer des œuvres d'art pour des raisons qui ne sont pas d'abord artistiques. Pour des raisons religieuses, je l'ai dit, aussi pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, etc. Eh bien, même lorsque la beauté n'est pas expressément visée, elle est souvent présente par survenance. Alors, c'est un terme, un néologisme utilisé par les philosophes français aujourd'hui pour traduire l'anglais supervenience, survenance, c'est-à-dire qu'il y a une valeur qui apparaît après coup, de surcroît, et qui n'a pas été expressément, disons, visée. Je prends un exemple qui est étranger à l'esthétique, qui est l'exemple moral. Vous savez, une des choses frappantes que disaient les gens qui, au péril de leur existence, avaient caché des résistants ou des juifs pendant l'occupation allemande, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est que presque tous, ce qu'on appelle les justes, disaient « je ne pouvais pas faire autrement ». C'est-à-dire que c'est assez frappant qu'ils ne tenaient pas un discours moral sur leur action. Comme si leur action n'avait pas eu comme finalité d'être morale. Mais il est évident que le sens de leur action est moral. Et donc la moralité de leur action n'est pas un objectif qui avait été posé a priori dès le départ et qui aurait orienté l'action. Il y a une action, et cette action a un sens moral. Eh bien, il en va de même pour de nombreuses œuvres d'art. Pour nous, ce sont des œuvres d'art, mais elles n'ont pas été créées pour l'être. Pour nous, ce sont des œuvres belles, mais elles n'ont pas visé la beauté, du moins dans l'intention de l'artiste au départ. Alors, bien sûr, on pourrait donner de multiples exemples contraires d'artistes qui ont expressément visé la beauté. C'est le cas de Raphaël, c'est le cas de Léonard de Vinci, c'est le cas de Mansart. On ne peut pas imaginer que ces artistes aient visé autre chose, enfin, ou n'aient pas eu en tête la beauté. Mais dans l'immense domaine de l'histoire de l'art, en fait, les œuvres qui ont été créées pour être expressément belles sont plutôt l'exception que la règle.
Donc ça donne évidemment au champ de la beauté une extension, une largeur, une superficie infiniment plus grande que celle que l'on croirait, puisque la beauté existe quand bien même on n'a pas voulu qu'elle existât. Et de fait, cette survenance universalise le domaine de cette valeur qu'est la beauté. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque, c'est que, comme toute valeur transcendante ou supérieure, et la beauté est une valeur transcendante ou supérieure, la beauté concerne un très grand nombre de domaines fort éloignés les uns des autres. À telle enseigne qu'on peut se demander si on n'est pas victime de l'unicité du mot « beauté », puisqu'il s'applique à des objets qui sont très hétérogènes, qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Est-ce qu'on n'est pas victime de l'unicité du mot ou bien de la pauvreté de notre vocabulaire, hein, puisque nous pouvons appeler beau, en effet, une multitude de choses. Et là, le philosophe, il se trouve tout de suite devant un débat qui fut déjà celui des Grecs, ou chez Platon, un débat entre Socrate, qui est le porte-parole de Platon, et puis le sophiste Hippias, qui représente l'adversaire de pensée. Et Platon écrit deux petits ouvrages sur la beauté qui s'appellent Hippias, et pour les distinguer, on dit Hippias, premier Hippias ou second Hippias. Le débat est le suivant. Pour Socrate, Socrate pose la question de savoir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce que la beauté. Et Socrate, comme Platon, considère que la beauté est une, qu'il y a la beauté, disons, avec une majuscule, et que les choses que nous disons belles, qui sont évidemment en nombre indéfini, le sont parce qu'elles participent à cette idée de beauté. Mais quand Socrate pose la question à Hippias, le sophiste, qu'est-ce que c'est que la beauté ? Hippias, il dit une belle cuillère, une belle fille, c'est-à-dire il donne des exemples. Et pour Hippias, pour le sophiste, la beauté n'existe pas en dehors des êtres et des choses qui concrètement peuvent être appelées beaux. Que par conséquent, la recherche de l'idée de beauté, et pour Platon c'est une idée même qui est transcendante, à l'égal elle est de nature divine. Pour le sophiste Hippias, c'est une illusion. C'est de croire qu'une telle idée existe. Pour Platon, au contraire, comme pour Socrate, qui est son porte-parole, il est nécessaire d'avoir cette idée en tête, parce que qu'est-ce qui nous ferait dire qu'une cuillère est belle ou qu'une jeune fille est belle si on n'avait pas déjà en tête une certaine idée de beauté? Qu'est-ce qui nous permettrait de dire concrètement d'un être ou d'une chose qu'il est beau, qu'il est belle, qu'elle est belle, si on n'avait pas déjà... Donc on se trouve devant un cercle, un tourniquet, devient un cercle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de beauté en dehors des êtres que nous jugeons beaux, mais nous ne pouvons juger des êtres beaux qu'à partir du moment où nous avons déjà en tête une idée de beauté. Et donc ce débat-là, vous voyez, il est très ancien, hein. Il remonte au 4e siècle avant Jésus-Christ. Il a traversé à peu près toute l'histoire de la pensée, de l'art. Il y a ceux qui sont, qu'on dira empiriques, même matérialistes, qui pensent que la beauté, c'est ça, et puis on peut en faire une liste. Mais que finalement, c'est pratiquement impossible de dire ce qu'est la beauté en soi. Mais il y a ceux, au contraire, on les appelait les idéalistes, mais c'est un terme qui n'est pas très bon, mais ils pensent qu'on ne peut pas parler de la beauté si d'abord on ne définit pas en soi ce qu'elle est. Alors, je crois qu'il y a un moyen terme entre, disons, le monisme platonicien. Monisme, ça veut dire réduire tout à l'un. Le monothéisme, par exemple, est un monisme religieux, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc il y a le monisme qui réduit toutes les choses multiples à une seule,
Et puis, il y a un pluralisme émitié à l'infini, où l'idée d'unité est une fiction, et que par conséquent, les seules choses concrètes qui existent, c'est une pluralité d'objets, de choses. Alors, on peut trouver un moyen terme, parce que d'un côté, vous voyez, on a l'unité absolue, puis de l'autre côté, vous avez l'infini. Bon. Mais entre l'un et l'infini, il y a quelques-uns. Et donc, sans, disons, entrer dans les détails, il me semble que quand nous réfléchissons sur les domaines d'application de la beauté, nous pouvons distinguer quatre domaines différenciés. Et ils sont suffisamment différenciés pour qu'on se demande justement si nous ne sommes pas victimes de cette pauvreté du vocabulaire à laquelle je faisais allusion. J'écarte l'éventualité d'une beauté intelligible, même si cette éventualité doit être prise au sérieux, puisque, vous le savez peut-être, tous les mathématiciens parlent de la beauté des formules, de la beauté d'une démonstration. Enfin, je vais écarter, disons, cette éventualité de la beauté idéale ou intelligible pour ne conserver que la beauté matérialisée, la beauté incarnée, la beauté sensible, celle que l'on voit, celle que l'on entend. Hein, puisque, finalement, les deux seuls sens esthétiques, c'est l'ouïe et la vue, qui sont d'ailleurs, parmi les cinq sens distingués traditionnellement, les sens les plus intellectuels, voyez. On ne dira pas d'un parfum qu'il est beau, il est agréable, on ne dira pas que quelque chose est beau au toucher. Et la beauté n'existe que pour l'œil et que pour l'oreille. Et d'ailleurs, ce sont là les deux sens qui sont stimulés par l'art, au sens des beaux-arts. Alors, quels sont ces quatre champs d'application de la beauté ? Il y a l'art, qui nous paraît le plus évident, donné déjà de multiples exemples. Il y a la nature, il y a le corps humain, qui est une beauté très spécifique, hein, parce que s'y mêle un élément érotique qui n'existe pas avec la beauté naturelle et la beauté artistique, même s'il peut y avoir une dimension érotique dans certaines œuvres d'art. Mais la caractéristique du corps humain, c'est de n'être ni purement naturel, ni purement fabriqué, donc n'être ni une œuvre d'art, ni un être de nature, puisque vous le savez, le corps humain n'est jamais laissé tel quel, à l'abandon, si on peut dire, dans aucune civilisation. Il n'est jamais complètement nu, il est toujours orné, maquillé, tatoué, scarifié, etc., etc. Donc il est à l'interface, finalement, de la nature et de la culture. Et puis le quatrième domaine, avec l'art, la nature et le corps humain, c'est celui des objets techniques et des villes, c'est-à-dire le domaine de la fabrication et de la construction. Et ces domaines sont assez différenciés. Vous voyez, la nature n'est pas créée, alors que l'art et les villes sont des productions humaines. Le corps humain étant, en quelque sorte, à cheval entre ces deux domaines, une partie du corps étant naturelle et l'autre ne l'étant pas. Donc, vous voyez, il y a une hétérogénéité extrême, et ce qui me faisait dire qu'on était victime d'un amalgame, d'une pauvreté sémantique ou lexicale, c'est que ce sont tout de même des êtres, des choses qui appartiennent à des mondes étrangers. La beauté d'une gazelle n'est pas du même ordre que la beauté d'un tableau de Velázquez. Pourtant, nous pouvons dire sans difficulté, c'est beau. Et est-ce que ça, c'est justifié ? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a entre un tableau de Velázquez et une gazelle des points communs qui nous permettraient de dire, pour les deux cas, c'est beau ? On voit très bien que dans le sentiment, si nous considérons maintenant le problème du point de vue de l'affect, c'est-à-dire du ressenti personnel, subjectif, humain, il y a avec la beauté deux affects qui sont stimulés. Il y a celui de l'émerveillement, hein, et ça porte davantage sur des êtres de la nature. Nous sommes émerveillés par la beauté d'un paysage. Alors que l'admiration, elle porte davantage sur une beauté créée. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'admiration est plus intellectuelle que l'émerveillement. On ne peut pas avoir une admiration totalement innocente ou naïve.
l'admiration est toujours adossée à un soubassement culturel. Vous voyez, quand vous admirez une cathédrale, quand vous admirez une sculpture, bien sûr, vous pouvez les voir pour la première fois, mais il n'en reste pas moins qu'il y a derrière vous un bagage culturel. Tandis que l'émerveillement, ça peut être l'émerveillement devant un petit enfant, l'émerveillement devant un paysage. D'abord, ce ne sont pas des produits du travail humain, du génie humain. Vous êtes émerveillé par un être dont vous vous dites, et d'ailleurs, c'est le propre de ce sentiment précieux, de cet affect précieux, qu'avec l'émerveillement, vous vous dites que ce serait beau quand bien même, en fait, personne ne serait là pour le voir. Alors que c'est impossible de se dire cela avec l'admiration. Avec l'admiration, d'ailleurs, étymologiquement, admiration vient du latin admirare, et mirare veut dire voir. Il faut forcément un sujet regardant pour qu'il y ait quelque chose qui est vu. Voyez. Avec l'émerveillement, comme l'émerveillement devant la naissance du monde, en fait, l'émerveillement, c'est tout souvent, d'ailleurs, l'affect qui accompagne les aurores, les enfances, et puis aussi... les fins, vous voyez, peut-être, oui, les fins, les disparitions, vous voyez. Il y a quelque chose de fragile. Voilà, donc, ceci pour dire, vous voyez, qu'il faudra, pour le diagnostic, qui est un diagnostic sombre, à savoir, la beauté a été évacuée, refoulée et même détruite, à l'époque moderne. Donc il faudra, pour le diagnostic, voir qu'est-ce qu'il en est de la beauté artistique, de la beauté naturelle, de la beauté du corps, et puis de la beauté technique et urbaine. Alors rapidement, ce diagnostic, on peut voir que dans chacun de ces quatre domaines, un processus accru et accéléré d'enlaidissement, symptôme de modernité, peut être constaté. Avec l'art, il y a eu une rupture au moment romantique. Alors, il faudrait évidemment préciser les choses, et je m'excuse à l'avance des grandes généralités que je vais pouvoir dire. Et c'est vrai qu'on est toujours sous la coupe des objections possibles, hein, puisque dans le domaine de l'art, il y a toujours des cas particuliers, des exceptions. Enfin, tout de même, dans l'âge romantique, il y a une grande révolution dans le goût, dans le travail de l'artiste aussi, dans la conception que l'artiste faisait de lui-même, une révolution qui est d'ailleurs tout à fait contemporaine des révolutions économiques et techniques qui ont été à l'aube de notre monde. Cette révolution romantique, c'est d'avoir à la fois relativisé la beauté, donc l'avoir affaiblie, et puis en même temps de l'avoir intégré dans un champ d'expression artistique beaucoup plus large, qui est le beau. Quand on utilise en français un adjectif substantivé, comme le beau, ou le juste, ou le vrai, eh bien il faut se dire que l'adjectif substantivé a une extension plus large que le substantif. Le beau est plus large que la beauté. Pourquoi ? Parce que le beau peut intégrer le contraire de la beauté. Il peut y avoir dans le beau de la laideur, mais le beau intègre la laideur. Lorsque Baudelaire dit « le beau est toujours bizarre », il faut bien se rendre compte qu'aucun classique avant lui n'eût pu dire la même chose. On ne peut pas dire que la beauté est toujours bizarre, mais Baudelaire dit « le beau est toujours bizarre ». Bizarre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement tout ce qui peut contrevenir à toutes les règles classiques de la beauté, les règles d'harmonie, de juste proportion, d'équilibre. Bizarre, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre, une disharmonie, voire il peut y avoir quelque chose de monstrueux. Et vous savez que le romantisme intègre la dimension du monstrueux, du terrifiant, de l'horreur, etc., etc. Alors bien sûr, on pourrait se dire, mais on pourrait trouver dans l'art antérieur bien des exemples qui montrent que la laideur était présente. Les peintures de diable, oui. Mais lorsque on faisait une peinture de diable au XVe siècle, on ne prétendait pas, grâce à la peinture, rendre le diable beau. Il restait toujours laid. De la même façon, lorsque Grunewald
Tournons le dos à une tradition qui tend à idéaliser le Christ en croix, au point qu'on voit très bien qu'à la Renaissance, le Christ en croix est l'héritier des Apollons grecs, et ça, ça va jusqu'à Rubens. Donc, le Christ, que ce soit le Christ de Mantegna ou le Christ de Rubens, eh bien, sont idéalisés. Ce sont des figures, finalement, qui, tout en étant, tout en renvoyant au plus affreux des supplices, ne suscite pas une horreur comme celle du Christ de Grunewald qui est couvert de pustules, qui est absolument effrayant. Seulement, il faut bien se rendre compte que la laideur utilisée dans l'art classique n'était pas par la même convertie en beauté. Elle restait laideur. Tandis que ce qui change avec le romantisme, c'est que, en fait, le lait est intégré à part entière dans le geste artistique. Alors, la destruction de la beauté, elle va s'accélérer à partir de la Révolution romantique, et on peut dire en effet que la beauté comme valeur et comme norme va apparaître à l'artiste comme étant une contrainte inutile, comme étant une chose du passé, et on peut dire que l'art contemporain se caractérise par un refoulement général et même par une destruction de la beauté, même si, je le répète, on pourrait trouver de multiples contre-exemples. Mais si vous prenez le concept hegelien de mort de l'art, hein, qui est un concept tout de même très violent, l'art est mort, dit Hegel. Il dit ça dans ses leçons d'esthétique dans les années 1820. Et il ne veut pas dire, Hegel, qu'il n'y aura plus d'artistes. Il ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'œuvres d'art. Il veut dire que l'art ne joue plus du tout le même rôle que celui qu'il jouait dans les sociétés traditionnelles et anciennes, et qu'aujourd'hui, le monde est gouverné par ce que Hegel appelle la prose du monde, c'est-à-dire les activités de travail, les activités de commerce, les activités marchandes, l'utilité, l'intérêt, que par conséquent, le monde qui est le nôtre n'est plus gouverné par les valeurs qui étaient les valeurs esthétiques. Pour ce qui est maintenant de la nature, le symptôme est encore plus évident, puisque sous le terme de pollution, n'oublions pas qu'il ne s'agit pas simplement de désigner une gêne à notre activité pratique, savoir que l'eau polluée n'est plus buvable, mais que la pollution est un enlaidissement. Que des quatre éléments distingués par Empédocle, seul le feu ne peut pas être pollué. L'eau est polluée, l'air est pollué, la terre est polluée. Vous savez que les sols, hein, cette couche très fragile qui entoure la terre comme une peau, hein, la peau de la terre qui est le sol cultivable et cultivé, il est dans presque tous les continents du monde, il est dévasté. Donc cette nature, il en va de même avec la disparition d'une espèce vivante. Chaque espèce vivante qui disparaît, c'est une beauté du monde qui disparaît du même coup. Voyez. La biodiversité, ce n'est pas simplement, disons, un concept disons, écologique ou naturaliste. La biodiversité, c'est la beauté du monde. Et cette beauté de la nature qui consistait dans sa richesse extrême, eh bien, disparaît avec son appauvrissement dû à des raisons, des facteurs que nous connaissons tous. Les constructions, etc. Vous savez que chaque année en France, en moyenne, vous avez 100 000 hectares qui disparaissent sous le bitume et les constructions, et que 100 000 hectares correspondent au cinquième ou sixième d'un département moyen comme la Charente. C'est-à-dire qu'en 6 ans de temps, vous avez un département comme la Charente qui est bitumisé, et ce qui est évidemment monstrueux. D'ailleurs, il n'y a plus de nature. Il n'y a plus de nature, il n'y a que de l'environnement. L'environnement est une notion, un concept anthropocentré, puisque l'environnement, c'est ce qui nous entoure. Avec l'idée de nature, il y avait cette idée que quelque chose existait indépendamment de nous, que c'était indemne, intouchable. C'est d'ailleurs la définition même du sacré. Le sacré, dans les religions, c'est ce qui ne peut pas être touché.
et a fortiori ce qui ne peut pas être manipulé, échangé, vendu, trafiqué, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus que de l'environnement. On ne peut pas imaginer un ministère de la nature au gouvernement. Tous les gouvernements du monde ont un ministère de l'environnement. Et on peut dire que le mal est déjà fait. À partir du moment où on prétend préserver l'environnement, on prétend préserver quelque chose que nous avons détruit. En fait, la préservation de l'environnement, c'est la préservation de l'artifice. Sur la route, encore ce matin, je voyais dans une portion de route où il y avait des éoliennes, il y avait, je ne me souviens plus le terme exact, il y avait quelqu'un qui avait dû vendre ça pour vendre le mur de sa maison pour mettre une grande banderole. Il y avait marqué « local et durable ». Ce qui est génial, durable. J'espère que ce n'est pas durable, une éolienne qui vous bousille un paysage. Non, ce qu'on appelle, disons, nature aujourd'hui n'existe plus qu'à l'état de reste, puisque même les réserves naturelles dont on a longtemps cru sur le modèle religieux, à partir du paradigme religieux, on a longtemps cru que les réserves et les parcs naturels étaient des sanctuaires. D'ailleurs, le terme est religieux. Un sanctuaire, c'est ce qui ne veut pas, c'est ce qui est absolument à l'abri de toute espèce d'agression extérieure. Les îles Galapagos, pour prendre l'exemple de l'une des plus belles réserves naturelles du monde, les îles Galapagos ne sont pas à l'abri des vents, ni à l'écart des courants marins. Donc quand les océans sont de plus en plus chauds et acides, et que les vents transportent une atmosphère de plus en plus polluée, vous pensez bien qu'on a beau préserver les Galapagos d'une construction d'autoroute, eh bien les Galapagos, elles se retrouvent dans le même tourbillon, si vous voulez, que l'ensemble de la Terre. Pour les objets techniques, le diagnostic il est peut-être plus difficile à établir parce que il est vrai que nous ne vivons pas au milieu de choses laides. La technique moderne n'est pas laide à proprement parler, que ce soit les voitures, les ordinateurs, les téléphones portables, mais elles sont presque pires que cela d'un point de vue esthétique, elles sont banales. Et n'oublions pas que pour un artiste, la banalité, c'est le péché mortel. Ce qu'un artiste doit à tout prix éviter, c'est cela. Alors, ça ne veut pas dire, il y a beaucoup d'artistes contemporains qui sont tombés dans le travers inverse, un vrai sophisme qui consiste à dire, puisqu'il faut être original pour être un artiste, soyons originaux pour être des artistes. Bien sûr que non, ce n'est pas aussi facile que ça. Enfin, toujours est-il qu'on ne peut pas imaginer une grande œuvre d'art qui serait banale. Alors que je l'ai dit, l'art peut très bien faire ses choux gras de la laideur. La banalité, c'est le domaine de la technique, puisque c'est celui de la production de masse, avec des matériaux qui sont des matériaux banals, des matériaux pauvres même, la plupart du temps. Et autant nous sommes émerveillés par la beauté des outils, plus simple des sociétés traditionnelles, autant nous sommes indifférents au mieux devant nos propres outils qui sont destinés à une obsolescence rapide et à une destruction prochaine. Dans ce domaine de la technique, les valeurs proprement techniques de la performance, de l'utilité, de la précision, de l'efficacité, ces valeurs-là sont antinomiques avec la valeur de la beauté qui va rarement sans une certaine imprécision, sans une certaine, sans un certain vaporeux et qui, en fait, n'est pas directement utilisable. Dans les années 50, on était encore... Vous voyez, dans la lignée du Bauhaus, il y a eu le design qui a tâché de faire le mariage, d'ailleurs avec de belles réussites, entre justement la valeur esthétique de la beauté et la valeur économique et technique de l'utilité, de la fonctionnalité. Et dans les années 50, un grand sociologue américain, je crois que c'est Mumford, j'en suis pas sûr, mais, a écrit un livre qui s'intitule « La beauté fait vendre ». C'est vrai en un sens.
Mais aujourd'hui, 50 ans plus tard, on s'aperçoit que la laideur aussi peut faire vendre. Aussi dans le domaine de l'art, dans la mesure où, s'il s'agit avant tout d'impressionner, la laideur peut être plus impressionnante, vous voyez, que la beauté. Dans un monde où il vaut mieux être impressionnant que gracieux, on comprend très bien, en effet, que la laideur peut être aussi, disons, presque cyniquement cultivée pour elle-même. Pour ce qui est des villes modernes, tout à l'heure je vous ai dit qu'il n'y avait plus de nature, il n'y a que de l'environnement. On pourrait presque dresser une analogie, il n'y a plus de villes, il n'y a plus que des agglomérations. Les villes anciennes ont été noyées dans des agglomérations qui les ont dénaturées, c'est-à-dire qui ont supprimé leur unité. L'unité dans la diversité, c'était une des formules classiques de la beauté, utilisée par Cicéron, par saint Augustin. Et s'il y a vraiment quelque chose qui contrevient à cette définition élémentaire de la beauté, l'unité dans la diversité, ce sont les villes nouvelles, qui ne sont pas une, mais uniformes, et qui ne présente aucune espèce d'unité. Venise est à la fois très diverse et présente une unité extrêmement forte. Il en va de même du vieux Paris ou de la vieille Rome, etc. Aucune ville moderne, enfin contemporaine, ne présente ces qualités élémentaires. Vous avez une absence totale d'unité et une uniformité qui est évidemment aux antipodes de l'unité. D'ailleurs, les villes modernes ne figurent pas au programme des voyages. Les touristes ne vont pas faire des milliers de kilomètres pour aller voir une ville qui vient d'être construite. Ceux qui vont à Dubaï, c'est pas pour les mêmes raisons que ceux qui vont à Florence. En plus, même les villes contemporaines, c'est-à-dire celles qui ont été construites après la Seconde Guerre mondiale, il y a des belles réussites. J'en connais deux. Enfin, j'en connais par les livres, j'y suis jamais allé, mais il y a Brasilia, construite par Niemeyer, et puis Chandigarh, construite par Le Corbusier. Même les voyageurs qui sont quand même plus exigeants que les touristes ne font pas le détour en Inde quand ils vont dans le nord de l'Inde, ils font pas le détour pour aller voir Chandigarh. Vous voyez, donc toutes les grandes destinations sont des villes anciennes. C'est évidemment un argument qui n'est pas extrêmement fort, mais enfin qui a tout de même un certain sens. Alors maintenant, pour le corps humain, là aussi le diagnostic peut sembler paradoxal. Pourquoi? Parce que sans doute qu'on n'a jamais autant magnifié la beauté physique qu'au XXe siècle, ou à telle enseigne qu'on pourrait dire que l'art du cinéma, qui est tout de même le seul art inventé à notre époque, c'est un art qui a, comme aucun art auparavant, qui a magnifié les beaux visages et les beaux corps, même plus que la peinture, même plus que la sculpture classique. On peut dire que l'art du cinéma est un art qui a mis en scène, au sens propre du terme, exalté, valorisé donc cette beauté, spécialement la beauté féminine. Et la beauté, en fait, est devenue aussi l'objet de multitudes de discours qui se poursuivent sous nos yeux, enfin, puisqu'il ne se passe pas une seule semaine sans qu'il y ait un magazine qui publie des pages spéciales beauté. C'est un discours, d'ailleurs, qui se fait sur une injonction tyrannique. Par ailleurs, l'alimentation et l'hygiène de la population dans les pays économiquement développés ont indiscutablement affiné les corps, les rendus plus gracieux qu'ils n'étaient. Donc, le diagnostic d'une dévastation de la beauté physique est un diagnostic qui peut sembler pour le moins paradoxal et même impossible à établir. Et pourtant, il me semble que la beauté des corps humains est aujourd'hui gravement menacée par deux séries de facteurs. Un mode de vie qui tend en effet à la disgrâce. Je crois que le peuple américain est l'un des peuples les plus laids de l'histoire, et que les Chinois sont en train de devenir.
Il y a quelque chose tout de même qu'on ne rencontrait pas dans les populations traditionnelles. Quand on a les vieilles photos, pourtant, il y a des gens qui vivaient dans des conditions matérielles extraordinairement rudes, les photos de l'Inde, de l'Afrique, on ne voit pas que les hommes étaient à ce point difformes. Il y a quelque chose, il y a une page du philosophe Schopenhauer qui est très intéressante, où Schopenhauer se pose la question de savoir pourquoi il y a plus de laideur chez les êtres humains que chez les animaux. Et il rapporte ça, bon, un concept philosophique un peu complexe, qui est le principe d'individuation. Mais il dit que l'individualité chez les êtres humains a été poussée tellement loin que l'être humain a fini par perdre la beauté de l'idée de son espèce. Vous voyez, la girafe, les lions, il n'y a pas un lion qui soit laid. Il est quand même frappant de voir que les seuls animaux qui soient vraiment laids, alors je mets à l'écart les hippopotames, etc., il peut y avoir des animaux laids dans la nature, mais enfin, les animaux qui sont laids, ce sont des animaux domestiques, c'est-à-dire des animaux où les caprices, les fantaisies, les idées baroques, les idées... Il n'y a pas un seul loup qui est laid. Il y a des chiens qui sont laids. Vous savez que tous les chiens du monde descendent du loup. Le chien, c'est la déchéance du loup. Voyez. Les loups sont tous très beaux. Voyez. Et on se dit, ça confirme d'ailleurs l'idée de Schopenhauer. C'est-à-dire qu'il y a chez l'être humain une individualisation qui fait que l'être humain va être tenté de quitter la forme de son espèce pour des lignes de vie qui vont cultiver la fantaisie, le baroque, le biscordu, le bizarre, comme disait Baudelaire. Vous voyez. Donc l'être humain est bizarre. C'est le plus bizarre de tous les êtres. Tout à l'heure, j'ai dit que la laideur impressionnait. C'est vrai qu'à partir du moment où, dans une société de masse qui est gouvernée par le régime de la concurrence, l'originalité cultivée à tout prix peut évidemment faire choisir la laideur plutôt que la beauté, dans la mesure où la laideur impressionne. On la regarde, on est choqué par elle. Et d'ailleurs, il en va de même dans le monde de l'art, évidemment. Mais il y a une autre menace aujourd'hui qui se profile, c'est que si, depuis les Grecs, la beauté du corps était liée à une dimension érotique, aujourd'hui, je crois qu'il y a un divorce entre Eros et Vénus. Et je me demande d'ailleurs si Eros, c'est-à-dire le fils de Vénus dans la mythologie, le dieu de l'amour qui est le fils de la déesse de la beauté. Et donc, dans l'art classique, évidemment, les deux vont de pair, hein, puisque Platon nous dit que c'est la beauté qui suscite le désir. Mais on sait que le désir peut être suscité par toute autre chose que la beauté. Il peut être même suscité par quelque chose qui peut aller jusqu'au monstrueux. Et quand on voit aujourd'hui la chirurgie dite esthétique, bien dite esthétique et qui ne l'est pas, et qui produisent des monstruosités, cette chirurgie en fait ne travaille pas du tout dans le sens de l'esthétique, mais travaille dans le sens d'une excitabilité maximum. C'est-à-dire en fait dans l'excitabilité d'un désir sexuel qui peut aller effectivement jusqu'à la monstruosité, quand on voit certaines actrices avec des lèvres et des poitrines qui sont proprement difformes, monstrueuses. Et là, c'est pour ça qu'on se dit, il y a quelque chose de très étrange qui est en train de se passer. Eros se retourne contre sa mère. Eros, c'est-à-dire l'amour, la sexualité, et sa mère, la beauté. En fait, on va se détourner, même dans ce domaine-là, qui était quand même le lieu de refuge. Pourquoi le cinéma est-il l'art le plus populaire du XXe siècle? Pas simplement parce que c'est facile de suivre un film, parce qu'en fait, c'est l'art qui n'a pas tourné le dos au réalisme. Alors que le grand public se sent trahi par la peinture moderne, par la sculpture moderne, parce que c'est ce que disent les gens, c'est n'importe quoi, on ne reconnaît rien, etc. Avec le cinéma, on est chez soi. Vous voyez, un visage, un corps, une histoire. Ça a gardé ça. Vous voyez. Ça a gardé le caractère romanesque du récit traditionnel, hein, du roman de Balzac. Ça a gardé aussi la figure reconnaissable.
Or, même là, le corps humain, aujourd'hui, il est menacé très fortement, puisque je crois qu'on est qu'au tout début du processus. Il faut replacer, d'ailleurs, la chirurgie esthétique dans un contexte beaucoup plus large, qui est celui du transhumanisme. C'est-à-dire, en fait, de ce désir du dépassement des capacités physiques de l'être humain par des moyens intrusifs de type technique, l'informatique, la mécanique, les prothèses, etc. Et je crois que vraiment on assiste aujourd'hui à la naissance de ce processus qui ira jusqu'au bout à la fois de la puissance et de la destruction. Alors, quelles sont les causes et les raisons d'un tel désastre, hein, puisque la beauté est détruite dans le champ de la nature, dans le domaine de l'art, dans le domaine du corps, dans le domaine des villes et des objets techniques. Alors, je crois qu'il y a deux raisons très générales. L'une qui tient à ce qu'on pourrait appeler l'immanentisme universel, c'est-à-dire, bon, immanent, c'est un terme technique qui est le terme qui est le contraire de transcendance. Dans la transcendance, on voit ça avec la religion, la réalité n'est pas unifiée. Il y a une réalité supérieure. Et ça a dû commencer à l'époque des cavernes. L'une des hypothèses pour expliquer le sens des peintures, des gravures et des peintures de la préhistoire, c'est de dire que les chamans qui ont représenté les bisons et les chevaux dans les cavernes, eh bien, entraient en communication avec un autre monde, avec un au-delà. En fait, pour nos ancêtres, il n'y a pas un monde. Il y en a deux, au moins deux, voyez. Il y a un monde d'un au-delà. Alors bien sûr, les civilisations, les religions divergent énormément sur la façon de concevoir cet au-delà, mais il y a toujours un au-delà. Nous, il n'y a plus d'au-delà autre que celui qui nous est assuré par un surcroît de puissance, un surplus puissant. Notre seul au-delà, c'est cela. Une machine qui va plus vite, une machine qui est plus performante. Donc, un surcroît de puissance dans le domaine de la vitesse, de la performance, de la production, c'est le seul au-delà, mais c'est un au-delà horizontal. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le progrès. C'est un au-delà, si vous voulez, qui n'est pas vertical. Donc, c'est ça l'immanence. Nous sommes sur un plan d'immanence universelle. Par ailleurs, vous le savez, il n'y a plus de terra incognita. Toutes les terres ont été sillonnées, explorées, occupées. J'ai fait allusion au fait qu'il n'y a aucun sanctuaire qui soit à l'abri de la dévastation de l'environnement. Et donc, on comprend très bien que dès lors que la beauté était toujours associée à une transcendance, même si cette transcendance était très différente en Inde, en Chine, dans les pays musulmans, etc., etc., il y avait toujours cela. Vous voyez, les dieux hindous sont beaux. Ce sont les démons, les asuras qui sont laids. La beauté, Jamal, c'est l'un des 99 attributs accordés par le Coran à Allah. La beauté est associée à la divinité. La laideur, c'est démoniaque, diabolique. Et donc, si la beauté, ça ne veut pas dire évidemment que toute beauté soit transcendante, mais s'il y a une dimension de transcendance dans toute beauté, même qui ne serait pas religieuse, à partir du moment où n'importe quelle transcendance est éliminée au profit d'une immanence totale, absolue, on comprend très bien que la beauté n'a plus de place, elle n'a plus sa place. Et que... Autre raison psychologique qui est plus tortueuse, c'est que si la beauté est associée à une transcendance et si la beauté est un absolu qui ne dépend pas de nous pour exister, vous savez, beaucoup d'artistes se disaient être au service de quelque chose de plus fort qu'eux, voyez. Pendant longtemps, ça a été cela. Les romantiques ont opéré là-dessus, un renversement. Mais les artistes étaient au service de quelque chose qui les dépassait. Que ce soit le maître du vitrail, l'architecte, le peintre, etc. Les absolus qui nous dépassent, nous les éliminons et nous les détestons aussi. Ils sont l'objet d'une véritable haine. Et la beauté aussi peut être l'objet d'une véritable haine.
Le romancier Mishima a consacré un ouvrage, à partir d'un fait réel, un moine qui a incendié une des merveilles de Kyoto, le pavillon d'or. On l'appelait ainsi parce qu'il était recouvert de feuilles d'or. Il l'a incendié, et Mishima, en fait, montre bien à quel point ce geste qui est fou, un vandalisme destructeur, est venu du fait que ce moine ne pouvait pas admettre, accepter qu'il puisse y avoir quelque chose de beau alors que lui était laid, qu'il pouvait y avoir quelque chose de parfait alors que lui était un homme raté, que la beauté était une insulte contre lui, et que le vandalisme, eh bien, il peut être provoqué justement par ce désir de détruire quelque chose qui est plus fort que nous, qui n'a pas besoin de nous, qui nous dépasse. Et donc, la haine de soi, vous voyez, peut se convertir dans le vandalisme le plus violent. Vous savez, les vandales, pouvaient avoir des arguments religieux. Vous savez que le dernier exemple historique, ça a été l'État islamique en Syrie, avec la destruction du site de Palmyre. Il y a eu, une dizaine d'années auparavant, la destruction des Bouddhas de Bamiyan. Alors, il y a des raisons qui sont explicites, religieuses, mais il y a aussi inconsciemment, puisqu'il faudrait faire une psychanalyse, c'est inconsciemment le désir d'en finir avec une beauté matérielle, en plus sensible, vous voyez, et qui a ce paradoxe d'être à la fois sensible et matériel, donc on peut voir, qu'on peut même toucher, et qui nous dépasse comme une transcendance. Platon pensait, à juste titre, que la beauté nous élève. Oui, mais elle nous rabaisse aussi. Et cela, nous pouvons ne pas le supporter, voyez, qu'une beauté puisse nous rabaisser. Un souvenir d'universitaire que j'ai des collègues. Un collègue, une fois, m'avait dit que quand il était président du jury d'agrégation, quand une candidate trop belle passait, elle était systématiquement saquée. Ça, c'est le domaine intellectuel et culturel. Parce que dans le domaine, disons, des entreprises, etc., c'est l'inverse. Vous savez à quel point la beauté physique compte beaucoup plus que les diplômes, même si des choses qu'on ne dit pas trop. Vous voyez, il y a d'ailleurs peu d'études là-dessus. C'est une inégalité manifeste qui... Mais le fait que dans ce milieu intellectuel, qui était celui des universitaires en philosophie, le fait qu'il y ait comme ça ce rejet de la beauté, avec d'ailleurs un préjugé qui est indigne d'un philosophe, comme si, disons, le plus de beauté devait se payer par le moins d'intelligence. Parce qu'il y a ce préjugé-là qui fonctionne. Voyez. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui caractérise justement cet affect qui nous paraît extravagant, mais qui existe, la haine de la beauté. Alors la deuxième chose, je terminerai là-dessus, hein, j'ai déjà été un peu long, hein, c'est le volontarisme, c'est-à-dire que la techno-économie mondialisée est une force qui élimine tout ce qui échappe à la volonté humaine. Dieu, les dieux sont morts pas tellement pour des raisons religieuses, mais les dieux sont morts pour des raisons qui sont des raisons techno-économiques. Donc c'est l'effet indirect. L'élimination de la nature, puisque la nature c'est ce qui nous échappe, donc puis l'élimination du hasard. Le hasard aussi échappe à la volonté humaine, et nous essayons de le maîtriser, de l'apprivoiser par toute une série de techniques, prospectives, prévisions, statistiques, calcul des probabilités, etc. Nous avons des moyens technoscientifiques pour apprivoiser le hasard. Tout cela, toutes ces éliminations profitent de la seule volonté humaine qui reste seule. Dieu est mort, la nature est détruite, le hasard est calculé, et donc tout ce qui échappe à la volonté n'a plus de place. Et vous savez, d'ailleurs, contradictoirement, cette volonté restée seule se trouve devant des phénomènes sur lesquels elle n'a quasiment aucune prise. C'est le cas de la pandémie. Au départ, cette volonté n'a aucune prise, sinon relativement à ses effets. Alors, la beauté n'existe aujourd'hui qu'à l'état de reste, de traces, de vestiges. Il y a deux sens du reste. Le reste peut avoir deux fonctions. Il y a le reste qui est la dernière partie d'un ensemble qui est destiné à être complètement détruit.
Par exemple, quand on dit à un enfant, mange tes restes. Le reste du gâteau, on va le manger. Il n'y a plus de gâteau. Et puis, il y a le reste qui est la promesse d'une reprise. Par exemple, Noé, dans le mythe biblique, Noé, c'est le nouvel Adam, c'est celui qui reste quand le déluge a éliminé l'humanité. Ou bien alors, quand nous prenons quelques spécimens qui ont survécu à la destruction d'une espèce animale, et que grâce à ces quelques spécimens, d'ailleurs, parfois, on les trouve dans les zoos, parce qu'il n'y en a plus dans la nature, eh bien, on arrive à les reproduire et à, de nouveau, à faire en sorte que la population de l'espèce augmente. Donc là, c'est un reste, si vous voulez, qui est la promesse d'une reprise. Vous avez d'un côté le reste, qui est ce qui précède la destruction finale, et de l'autre côté, vous avez le reste qui promet une reconstitution possible. Alors évidemment, si la beauté n'existe plus qu'à l'état de reste, espérons qu'elle reste comme le reste qui promet la reprise, et non pas comme le reste qui promet la destruction totale. Donc je vais terminer par l'évocation de ce que disait Lévi-Strauss dans sa Mélancolie, dans Triste Tropique. Il disait la chose suivante, que eux, les anthropologues, ils ont commencé à s'intéresser aux sociétés traditionnelles, primitives, à partir du moment justement où elles commençaient à disparaître. Et il faisait la comparaison avec les étoiles qui étaient mortes depuis longtemps et dont la lumière continue à nous parvenir. Alors on pourrait se dire aussi, est-ce que la beauté n'est pas la lumière qui nous parvient d'un monde déjà détruit, c'est-à-dire un monde ancien ? Et nous en profitons toujours, hein, bien entendu, hein, comme l'anthropologue peut toujours aller dans une tribu du Brésil, mais que, en fait, nous n'avons plus que ces restes, ou alors ces petites beautés, une expression qu'on pourrait utiliser par analogie avec une expression inventée par le romancier soviétique Vassili Grossman, qui dans un grand ouvrage s'appelle « Un grand roman, vie et destin », il met en scène les deux totalitarismes durant la Seconde Guerre mondiale en Russie. Il parle de petite bonté. Dans un monde où la bonté, si vous voulez, n'existe plus ou n'est plus possible, c'est le cas évidemment de l'horreur de la guerre et du massacre de masse, la petite bonté peut encore exister comme celle dont parlait Dostoïevski au bagne de Sibérie. Et donc il peut y avoir, à l'image de ces petites bontés, des petites beautés, hein, qui sont des lueurs dans la nuit qui gagne. Voilà. Donc voilà, j'ai un peu dépassé, même beaucoup, hein, le temps qui m'était imparti. Et maintenant, il y a non seulement les questions pour éclaircir, hein, parce que tout n'est pas très clair, mais il y a aussi surtout les objections, hein, parce que vraiment en philosophie, tout doit être discuté, hein, il n'y a pas de vérité comme en science, donc il y a du sens qu'on essaye de produire, mais bon, maintenant on n'est pas toujours d'accord avec les interprétations qui sont données.